Donc, on va refaire. Donc, j'ai dit que la partie numéro 2 de l'exercice numéro 2, c'est le prof du cours qui va la faire. Donc, on va passer directement à l'exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, il nous demande de traduire l'expression booléenne suivante en utilisant les opérateurs BZ qui veut dire branchement c'est 0, ça veut dire c'est faux. BNZ, branchement if not 0, ça veut dire c'est juste. BR, c'est un branchement non conditionnel et l'affectation. Et on a une expression booléenne. Déjà, cette expression, on doit l'évaluer, on doit savoir comment la calculer. Il n'y a pas de parenthèse et donc on doit savoir minimum les priorités pour que c'est à nous de faire les parenthèses. Donc, voilà, donc première des choses, l'ordre de priorité. Donc, on doit fixer un ordre de priorité. On fixe, ouais, comme d'après la logique. Donc, toujours, on met les parenthèses. And or. On peut choisir and, c'est la première, et puis c'est le or. Donc, comme ça, cette expression, on va l'évaluer. Juste parce qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Voilà, donc cette expression, elle va être quoi de quoi? Donc, ah, bien sûr, le not avant, le not aussi. Les parenthèses après le not, le and le or. Et presque dans tous les langages, les parenthèses, c'est les premiers. Les opérateurs monères sont les premiers, donc not, et puis and or. Donc, ici, on a not A, or B. Donc, on a ici un opérateur et ici un autre, or. Donc, bien sûr, on doit choisir not A comme premier. Donc, ça va être, si on met les parenthèses, donc ça va être not A, le premier. Il est plus prioritaire que le or. Après, on a un or et un or. Donc, comme c'est la même priorité, donc aussi, on rajoute, donc l'ordre de priorité, ça, c'est le priorité et associativité à gauche. Donc, l'associativité est appliquée lorsqu'on a le même opérateur, qui est maintenant OR and OR. Donc, je vais calculer ça en premier. OK. Et puis, j'ai un OR C and B, qui est le plus prioritaire. On a choisi le AND. Donc, je vais calculer. Je ne vais pas faire OR. Je ne vais pas rajouter pour celui-là le C. Mais je vais calculer C and, la partie qui va venir après. Donc, j'ai un C, donc la parenthèse va commencer comme ça. Donc, C and not B. Donc, est-ce que je calcule C and B? Non, parce qu'il y a un not. Donc, ici, je prends not B. Après, du coup, je radler and. Parce que du coup, tu voulais la question, est-ce que je calcule not B and B? Et le résultat, je lui rajoute C, ou c'est le contraire. Comme c'est le même opérateur, and, donc je vais considérer l'associativité à gauche. Et donc, je vais prendre ça, et puis le résultat, je vais lui rajouter ça, et à la fin, je prends tout ça. OK. Donc voilà comment les parenthèses vont être faites. Maintenant, le résultat final de ça va être quoi? Soit vrai, soit faux. Donc, alors je dois transformer ça en quadruplé. Ça veut dire que je vais mettre premier quadruplé, deuxième quadruplé, ainsi de suite. Puis à la fin, j'aurai dans D, j'aurai soit 1. Donc, je vais mettre à la fin. Je ne sais pas c'est quoi le numéro parce qu'il y aura plusieurs quadruplés. À la fin, je suis sûr que je vais mettre dans D, soit vrai, soit faux. Donc, je vais mettre quoi? Vrai. Par exemple, on va mettre 1 qui est pour dire vrai dans la variable D.
Ou là, je vais mettre faux dans la variable d, ça veut dire 0. Et bien sûr, je ne peux pas mettre les deux. Donc, si je fais d, je fais 1 dans d, je dois après faire un branchement vers la fin. On a si on bnou les débla. Donc, soit je fais un d et je vais aller vers la fin, soit je fais un 0 dans d et je vais aller vers la fin. Et bien sûr, la fin, ça va être le branchement qui vient là. Je sais pas ce que j'arrive à la faire. Oui, le branchement qui va venir ici après. C'est ça la fin. Après, le d égale 0. Ok, donc on est en train d'essayer de raisonner. Donc, on a bien le type des quadruplés et à la fin, c'est ça le résultat que je dois avoir. Donc, au début, je dois faire quoi? Je dois évaluer l'expression afin d'arriver à l'un de ces quadruplés, soit d égale 1, soit d égale 0. Donc, je commence à réfléchir. J'ai quoi ici? J'ai note A or B, or un autre. Comme si il y a deux parties. Voilà. J'ai cette partie et j'ai celle-là. Avec un or entre les deux. Donc, le fait qu'il y ait un or, donc si une des deux est juste, donc c'est vrai. J'aurai un D égal vrai. Donc, j'ai deux parties. J'ai la partie là ou j'ai la partie deuxième. Je dois écrire les quadruplés. Je l'ai mentionné. La première aussi, elle a deux or. Ok, elle a deux or. Donc la première, je commence par la première. Donc voilà, il y a deux or et deux parties. Note A, or B. Si un des deux est juste, je vais aller vers D égale à 1. Donc je commence. Et après, je vais commencer. Donc, le premier quadruplé, je teste. Si A est faux, Ida A, c'est un faux. Ça veut dire, Ida A, c'est 0. Ida A, Hadaya, c'est 0. Hadaya, Gaucha, Hikon. 1. Parce que note A. Donc, Ida Hada, c'est 1. Donc, 1 or B. Mais yamch le résultat de B. Quel que soit, ça va être 1. Ida, ça, c'est 1. Or. Mais yamch le résultat du deuxième. Le tout va être un 1. Donc, Ida A, c'est un 0. C'est suffisant pour que le tout va être un 1. Ida le A, pardon. Ida le grand A, c'est un 0. Donc, le note 0, ça va être un 1. Ida le résultat de note A, c'est 1. Donc, 1 or B, quel que soit B, ça va être 1. Et si tout ça, c'est un 1, or quel que soit le résultat du deuxième, le résultat final du tout, ça va être un 1. Donc ici, je teste. Ida BZ. BZ quoi? Ida BZ de A. Donc ici, je mets le A. Ida BZ A, c'est un. On appelle le quadruplé. C'est un BZ A. Ça veut dire Ida A, c'est un 0. Donc, je vais aller vers, je vais l'appeler D égale à 1. Ça, c'est une étiquette. Hein. Et c'est l'étiquette de ça. Je vais l'appeler comme ça. D égale à 1. Donc, je vais aller directement vers D égale à 1. Parce que Ida D, alors toujours qu'on a Ida A, c'est un 1. Donc, ça, c'est un 0. Ida A, c'est un 0. Je ne sais pas c'est quoi le résultat. Je dois évaluer le reste. Mais Ida 1, c'est un 0. Donc ça va être un 1. Et donc, le tout, ça va être un 1. Et donc, je teste sur le fait que A, c'est un 0. Comme le dog. Idem, le A, c'est pas un 0. Ida, c'est un 0. Donc, c'est bon. Je vais aller vers la fin et je ne vais pas passer par tout ça. D'accord, je ne vais pas passer. Allez. Mais Ida c'est un, le A c'est un 1. Donc notre A c'est un 0. Le la deuxième.
La deuxième, c'est quoi? C'est un B. Ok. Donc, le B. Idéhada, c'est un 0. Donc, je vais effacer. Idé le premier, celui-là. Pardon. Donc, idéhada, c'est un 0. Tout ça, par les 0. Donc, nous réchauffons le deuxième. Le deuxième, c'est un 1. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ça, c'est un 1. Et donc, le tout, ça va être un 1, quel que soit le résultat du deuxième. Donc, la même chose. Si je teste BNZ cette fois-ci, parce que IDLB, c'est un 1. IDLB, c'est un 1. Donc, je vais aller vers D égale 1. La même chose. Parce que si c'est un 0, donc, tout ça, ça va être un 0. Ultimement, je dépends du deuxième. Ça dépend le deuxième, c'est quoi? À chaque fois, je dois savoir, je teste sur quoi. Donc, regardez la première partie. C'est bon, on a l'évaluation. Maintenant, si je suis dans la troisième, ça veut dire que ça, c'est un 0. Et ça, c'est un 0. Et tout ça, c'est un 0. Parce que Idehada, c'est un 1. Ani khlas, rahet vers D égale 1. Idel B, c'est un 1, c'est bon. Rahet vers D égale 1. Si je me trouve dans la troisième, ça veut dire que la première, c'est des 0. Je vais pas pouvoir. Ok, on cache des questions. On va continuer. Maintenant, la troisième. La troisième, je suis ici, sur le C. Donc, je teste le C. La même chose, je raisonne. Est-ce que je lui teste sur le vrai ou là sur le faux? Maintenant, c'est le C, c'est un 1. Et dans le C, c'est un 1. Oui, je l'ai Donc, si je teste C, c'est un 1. Et dans c'est un 1, je ne peux pas décider c'est quoi le résultat de ça, parce que c'est des AND. Et dans 1, je dois tester aussi le note B et je dois tester aussi le AND A. Donc, ça ne m'arrange pas de tester si c'est un A, mais ça m'arrange, chauffe-eau, quand c'est un 0. Et dans ça, c'est un 0. Sur le résultat final, ça va être 0. Pourquoi? Parce que 0, AND, quel que soit ça, AND, quel que soit ça va être un 0. Ça va être faux. Et donc, dans ce cas, oui. J'ai pas. J'arrive pas bien entendre. Je sais pas ce que problème les écouteurs. Oui, c'est mieux. Oui. Oui. Voilà, oui. Ah, ok, vous voulez dire c'est les mêmes variables. C'est pas la peine de tester le reste. On peut faire ça, on peut faire ça, mais on peut ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que qui te dit que ça c'est une expression atomique? Ou je m'attends atomique. Maintenant que le microprocesseur ne va pas arrêter pour donner la main à un autre microprocesseur pour exécuter. Moi, ça dépend de tous les systèmes d'exploitation. Les B et le A, c'est des variables. Peut-être c'est des variables partagées entre plusieurs processus. Ok, donc par exemple, leur valeur ici, c'est quelque chose. Par exemple, on a 0, on a 1, on a 0. Et puis, un autre processus va, qui dit C, il y a le quantum. Ok, il relâche le quantum. Et puis, un autre processus va changer les valeurs de B ou de A. Et donc, lorsque je suis ici, la valeur qui était ici pour le A, elle va être changée. Donc, ça dépend. L'expression, l'instruction atomique va être ça, Burk. 1, 2, mais le microprocesseur ne va pas te garantir qu'il va calculer tout ça de manière atomique. Je ne sais pas ce que vous m'avez compris.
Ok, donc c'est pour ça, lorsqu'on fait, on traduit un programme vers des instructions atomiques, on ne doit pas minimiser. La minimisation du après, c'est un autre processus qui doit prendre beaucoup de choses en considération. Il doit voir est-ce que c'est des variables partagées, etc. On ne manage même pas la déclaration de ces variables. Qui m'a la minimisation, l'affectation? Est-ce que je mets dans un temporaire et puis le temporaire va transformer vers A? Par exemple, il y a un des A égale 5 plus 3. Ou là, je mets directement dans A. Normalement, c'est un autre processus qui va faire la minimisation. Ok, pour les autres, je ne sais pas si vous avez compris sa question et la réponse. Parce que vous parlez. A et B, donc il faut juste détester C et puis de considérer les valeurs de A et B qu'on a pré-déjà ici. Là, c'est un 1, là, c'est un 0. Donc je teste juste le C et je décide. Mais, Claude, ça c'est une expression atomique. Ça, à dire. À dire. Pardon. Le 1, BZ branché vers le A, D égale 1A. Mais c'est une expression atomique, donc si le quantum ikhlas ici, un autre processus va rentrer dans le microprocesseur et peut-être il va changer les valeurs de A et B. Oui. Allez. علاش جا الأ والبي؟ نو هذا واش راني نقول له دونك جو بو با كونسيديري لي ميم فالور بور أ اي بي جو بو با باسكو بوتيتر لي فالور دو أ اي بي اون ايتي شونجي يكون عندكم هاك يكون عند Si on prend ça en considération, que le fait, les variables ne sont pas partagées. Ah oui. Bon. Le compilateur, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Parce que, qui a le A ou le B, il ne sait même pas qu'il y a ici un OR. Donc, et même lorsqu'il va faire la traduction, il ne sait pas ici que la valeur de C, il y a un C. Donc, oui, il est en train de traduire seulement. Il est en train de traduire ce qu'il y a ici en quadruplé. Attention, le microprocesseur, ce n'est pas l'exécutable. C'est un traducteur de ce que vous avez écrit dans un autre langage plus simple, c'est tout. Oui. Ok, merci, merci pour la remarque. Donc, Yikambal. Donc voilà, ici, donc il va tester le C. Maintenant, si il le teste sur le vrai, ça va rien rajouter, parce que si c'est vrai, l'autre partie, je ne sais pas c'est quoi, et donc je dois faire ici sur le 0. Parce que si c'est un 0, donc toute cette expression, c'est un 0, et puisque la première, c'est un 0, parce que si ce n'était pas un 0, je ne vais pas me retrouver ici. Donc, je teste sur le 0. Donc, BZ qui? BZC. Si c'est un C, je vais aller vers l'étiquette D égale faux, là égale 0. Maintenant, si je me trouve dans la quatrième, ça veut dire que le C, ce n'était pas un 0, mais c'était un 1. Ok, sinon, là, ça n'a rien vers la fin, vers la dernière. Donc, si c'était un 1, donc ici, je vais tester le note B. La même chose, j'essaie de poser la question. Est-ce que je teste sur 1 ou là sur 0? Si c'était un 1, si c'était un 1, donc j'aurais quoi? J'aurais ici un 1, mais je dois toujours tester le 1, parce que sinon, je ne peux pas décider. Donc, je teste. C'est ça,
c'est un 0. Si c'est un 0, je peux décider parce que le tout va être un 0. Et donc, le résultat final, ça va être un 0. Donc, si tout ça, c'est un 0, donc le B, ça va être 1. Donc, je teste si le B, c'est un 1. BNZ. Et dans le B, c'est un 1. Dans ce cas, je vais aller vers D égale 0. Parce que si le B égale 1, donc notre B, ça va être 0. Et si c'est un 0, donc le tout, ça va être 0. Et donc, l'expression تاني راح تكون 0. Maintenant, l'akhraniya, اللي هي B. Maintenant, قعد le B. Donc, je le teste sur quoi? Ida B, on dit Ida B, c'est un 1. Bien sûr, Ida l'حقت l'A, ça veut dire ça, c'est un 1. Ida c'était le total, c'est un 0. Donc, sûrement, راح تلقى D égale 0. Donc, ça, c'est un 1, ça, c'est un 1. Ida le A, c'est un 1. Donc, le total, ça va être un 1. Et si c'est un 1, donc le total gaétique global, ça va être un 1. Et là, c'est un 1. Je vais aller vers quoi? Vers D égale 1. Et le D égale 1, c'est juste l'instruction suivante. C'est pas la peine de faire un branchement. Donc, je teste si c'est un 0. Parce que si c'est un 0, tout ça va être un 0. Et puisque j'ai arrivé là, parce que ça, c'était un 0, et donc, le total, ça va être un 0. Donc ici, je teste BZ sur le A. Sur le A quoi? Oui, c'est un 0 vers le 0. S'il est juste, je vais faire ça. Donc ça, c'est la sixième. Et ça, c'est la septième. Et ça, c'est la huitième. Bien sûr, branchement D égale 0, c'était celui-là. Donc, avec le branchement ou avec l'autre. Voilà. Donc, il faut juste. Il y a que ça, mais il faut raisonner, je suis. Donc, je vais essayer de voir si vous avez des questions. Donc, des questions? Ok, très bien, il n'y a pas de questions. Bon, vous faites ça, toujours vous faites les instructions finales et puis vous commencez à tester. À chaque fois, on dit, il a fait 1, il sera, il a fait le 0, il sera. Et vous voyez, où est-ce que vous allez? Il a tout vers un branchement qui est juste au-dessus, ce n'est pas la peine de se brancher. Si vous changez de valeur, vous allez faire un jump. Donc, vous prenez la valeur qui vous permet de faire les jumps. Ok. Donc ça, c'était le. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà. J'enregistre. Donc si c'est clair, on va commencer l'autre série qui est l'analyse. Sémantique. Voilà, donc traduction dirigée par la syntaxe. Je ne sais pas ce que le prof de cours va faire l'exercice. Bon, elle a fait l'exercice 1 parce qu'elle a proposé de le faire. Elle d'art tout l'exercice numéro 1. Pour. Les gens qui assistent au cours, est-ce que vous savez, est-ce que Dertou? Non. Bon, elle va le faire. En tout cas, elle va le faire. Même l'exercice numéro 1, c'est simple. Donc, maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. Donc, il a fait tout deux, l'un et deux comme vraiment quelque chose de trop simple. Donc, l'exercice numéro bon je dois juste mentionner là le nom de la série.
Donc, c'est la série numéro 5. Donc, toujours, on va faire les formes intermédiaires, mais cette fois, c'est avec les routines sémantiques. Donc, je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire quoi? Donc, ben, alors l'exercice. Donc, soit l'instruction suivante, c'est une instruction qui dit select, instruction 1, instruction 2, expression. Ou la sémantique, c'est si expression est vraie, exécuter instruction 1 et sortir. Si l'expression est fausse, exécuter instruction 2 et sortir. Comme c'est un if, mais à l'envers. Comme c'est la condition, elle est à la fin. Et puis, selon la valeur de l'expression, je vais décider quelle instruction à appliquer, soit la première, soit la deuxième. Et il demande de donner le schéma de traduction sous forme de quadruplet dans le cas de l'analyse descendante. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi le schéma de traduction. Je vais faire, bien sûr, une petite définition. Bon, c'est des choses à fond, hein? Juste le nom, les peut-être pour la première fois. Donc, un schéma de traduction, ça veut dire quoi? Lorsqu'il demande de donner un schéma de traduction. Donc, on doit donner les choses suivantes. Égal. Premièrement, on doit donner la grammaire syntaxique. En général, on a un code. Donc, on doit lui donner une grammaire syntaxique, MFTP, une grammaire syntaxique pour le code. Deuxième chose, on doit donner la forme intermédiaire. La forme intermédiaire, ça veut dire soit les quadruplets, soit la forme post-fixée, selon ce qui est demandé dans l'exercice. Troisième chose, cette forme intermédiaire va me permettre d'avoir l'emplacement des routines. Et donc, je faut, ça veut dire quoi les routines? Donc, après, on doit donner la grammaire plus les emplacements des routines. Des routines sémantiques. Et quatrièmement, je dois donner le code source des routines. Le code source des routines sémantiques. OK. Donc, pour cette expression-là, nous essayons de dire la même chose. Je vais la copier. On va appliquer cette définition. Ça veut dire quoi la grammaire syntaxique? Ça veut dire juste, je vais dire, c'est quoi la grammaire? C'est un code, les Mouktoub. Mouktoub select, instruction 1, instruction 2, sont donnés le détail, instruction 1 et instruction 2. Et expression. Donc, c'est quoi la grammaire syntaxique? La grammaire syntaxique, elle doit préciser, je commence par quoi, après quoi, après quoi. Donc, premièrement, la grammaire syntaxique. C'est simple parce que la grammaire syntaxique, j'aurai un S. Après, je dois écrire quoi? Je dois écrire un select. Après quoi? Une parenthèse. Après, une instruction. C'est pas une, hein? C'est instruction, une instruction. Et puis, une autre instruction. C'est pas deux, mais c'est une instruction. Et puis, expression. Instruction 1 et instruction 2 parce que le code instruction 1 et instruction 2 pour. Je ne fais pas oublier qu'il y a deux instructions et selon la valeur de l'expression. Mais la syntaxe, c'est une instruction. Et puis, normalement, machine me donne, mais normalement, instruction, elle peut être MFTP. Soit instruction affectation,
soit instruction boucle et ainsi de suite. OK, donc toutes les instructions possibles, le langage. Normalement, instruction, c'est quoi? Mais bien sûr, ici, on ne donne pas le détail parce que ce n'est pas demandé. C'est ça la grammaire syntaxique. C'est juste de mentionner comment il y a la syntaxe de ça. OK. Ada, c'est un code et je dois mentionner comment ça syntaxe. La grammaire syntaxique, c'est tout. Maintenant, je dois lui donner la forme intermédiaire. La forme intermédiaire, ou je rappelle comme la dernière fois, la forme intermédiaire, la clé, c'est de respecter la syntaxe. On doit respecter la syntaxe et puis faire les branchements nécessaires pour que cette syntaxe aura la sémantique exigée par le langage. Donc, on doit donner la forme intermédiaire et ils ont précisé ces formes quadruplées. Donc, la forme intermédiaire, intermédiaire. Se forme quadruplée. OK. Dernier, c'est bon, grammaire syntaxique. Donc, la forme intermédiaire. Je sais pas pourquoi est-ce que tu fais une planche. Non. Sinon, je vais commencer maintenant. Donc, quadruplé, ça veut dire quoi? Je dois avoir une matrice de quatre colonnes et je dois à l'intérieur faire les quadruplés. Bon, là je vais pas faire les colonnes, je vais écrire ici. Au début, je vais respecter la syntaxe. Donc, je trouve un select, ça c'est un mot-clé, donc il n'a pas de quadruplé. Après, je fais un D, instruction. Bon, bien sûr, parenthèse, c'est un mot-clé, mais un D, c'est quadruplé. Instruction, c'est un nom terminal qui peut avoir des quadruplés parce que c'est une affectation ou là, c'est une boucle, etc. Donc, j'aurai ici les quadruplés de l'instruction. Bon, je peux ici mettre instruction 1 parce que on est la sémantique des choses. Donc, quadruplé l'instruction 1. Puis, j'ai les quadruplés de l'instruction. Bon, virgule, maintenant je quadruplé. Après, instruction, t'as les quadruplés. Donc, il joue les quadruplés de l'instruction 2. Et puis, parenthèse fermante, mandash, les quadruplés, et puis du expression. Donc, les quadruplés de expression. Donc, au début, je respecte la syntaxe. Je dois, malgré que Kaloulé, on doit tester expression avant pour voir est-ce qu'elle est vraie ou la faux. Donc, je ne peux pas commencer par expression parce que le traducteur qui va créer le quadruplé, c'est-à-dire le compilateur, il aura instruction Helloula. Donc, il va la traduire. S'il va passer vers expression pour la traduire, il ne peut pas revenir parce qu'il ne sait pas instruction elle est où. Donc, il a déjà classe, mais il ne sait pas qu'il fasse Audi Willy. Alors, idéalement. Et puis, je vais changer de couleur. On doit faire les branchements nécessaires pour que cette instruction aura sa sémantique. La sémantique, elle dit quoi? On doit commencer par expression. Et donc, fait début, je dois avoir un branchement. Je dois avoir un branchement vers expression, un branchement non conditionnel. Donc, fait début, je dois aller vers début expression. Alors, avant de passer à l'instruction, on va vers début expression. Et début expression, c'est ça. C'est ça, bon, ce branchement-là. Ah, les canons. Et puis, une fois en expression, je dois faire quoi? Est-ce que je dois sortir? Parce qu'après expression, quelle est la sortie? Non, je dois tester cette expression. Je la teste sur quoi? Est-ce que je la teste sur le vrai ou sur le faux? Si elle est vraie, je dois faire quoi? Je dois aller vers instruction 1. Si elle est fausse, je dois faire quoi? Je dois aller vers instruction 2. Les deux sont loin. Donc, dans ce cas, je dois tester expression sur les deux, sur le vrai et sur le faux. Cette fois-ci, on est obligé de les faire les deux. Donc, j'ai choisi les habits là. Je la teste et puis je teste la deuxième. Donc,
Par exemple, on va choisir la vraie. Donc, si BNZ, BNZ, shkun. Donc, l'expression, c'est la dernière instruction évaluée. Donc, le résultat taharahu dans un temporaire, par exemple, on l'appelle temporaire expression. Donc, c'est le dernier temporaire que j'ai obtenu. Donc, je teste ce temporaire. Si il est vrai, je vais aller vers quoi? Je vais aller vers début instruction 1. Et début instruction 1, c'est quoi? C'est ça. Adawa. Hein? Pardon, moi je sais pas. Voilà. Maintenant, si c'est pas juste, donc ça va être c'est faux. Donc, fait le faux, je peux ne pas mettre BZ. Parce que si c'est pas juste, donc sûrement c'est un faux. Donc, je fais un BR. Comme c'est, au lieu de faire c'est faux, je fais un sinon. BR, ça veut dire brancher dans tous les cas. Vers quoi? Vers début instruction 2. Je peux faire BZ, hein? C'est juste. Mais il a d'être BZ comme ça, n'hésite le khadma. Parce que il a d'être BZ, je dois lui donner un élément temporaire. Mais BR, c'est plus simple. Parce que c'est pas juste. Donc, sûrement, c'est faux. Et donc, vous allez directement vers début instruction 2. Et début instruction 2, c'est ça. Et puis, maintenant, il a rahl l'instruction 2. Est-ce qu'il exécute une? Il a rahl l'instruction 1. Est-ce qu'il exécute l'instruction 2 après? Non, il ne doit pas l'exécuter. Et donc, il doit faire un BR vers la fin. Et la fin, bien sûr, elle est là. Oui, non. Et la même chose. Il a exécuté l'instruction 2. Il ne doit pas exécuter l'expression une autre fois. Et donc, il doit faire un BR vers la fin. Voilà, j'ai donné la forme intermédiaire. Donc, je vais voir, est-ce que vous avez des questions? Alors, med kriter. Quand on peut utiliser temporaire. On peut utiliser temporaire lorsque on a quelque chose dont on a besoin le résultat. Je dois tester le résultat de BNZ. De qui? De expression. Donc expression, je me connais la valeur taha. Donc ça va être dans le dernier temporaire. On m'a toujours qu'un temporaire, même instruction fait un temporaire, mais je l'utilise pas parce que j'ai pas besoin ici de tester. Ici, si je termine l'instruction, je vais aller vers la fin, je teste rien. Mais toujours le résultat final de quelque chose, elle est dans un temporaire. C'est clair, Mohamed Khayatar? Ok, de rien. D'autres questions? Oui. Non. On ne peut pas faire ça. Si vous faites ça, c'est un zéro. C'est ça le piège. Les étudiants, ils râlent tout. C'est la syntaxe qui va diriger. Les mentibdab instruction, pas d'instruction, pas d'expression. Tu peux pas faire kimathab. Le compilateur, il va traduire ce qu'il trouve de haut vers le bas, de gauche vers la droite. Donc, wakilqa, quadruplé de l'instruction, il va le mettre. Parce que c'est une grammaire. En fin de compte, le compilateur, après, il va pas trouver vraiment cette grammaire. Donc, il va trouver celle-là, la dernière, à dire. La grammaire plus emplacement des routines. Oui, on doit respecter la syntaxe. Et le branchement, c'est la routine qui va le faire. Doktchouf, le troisième pas. En fin de compte, on va donner
On va donner pour le compilateur, ça veut dire حنا شكون? حنا le créat les créateurs tel compilateur. On va lui donner la troisième. La troisième, هي اللي حنا مدوها له. Ou la troisième, elle va rajouter d'autres noms terminaux ici. Donc, tu vois, donc, نكتبوها وتبع معايا. Donc, la troisième. La troisième, برka. La troisième, c'est quoi? C'est grammaire plus routine. OK. Donc, la grammaire plus routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un S, j'ai un select. OK, j'ai une parenthèse. Après, je commence à suivre mes quadruplés. Parce que les quadruplés, Hadouma, c'est le brouillon que le concepteur de compilateur a créé. Je sais pas qui fait la grammaire t'es au final le compilateur qui fera tout. Donc il dit, je dois avoir un select parenthèse. Est-ce que je dois avoir ici instruction directement? Il dit non. Je dois faire un nom terminal qui doit me générer BR branchement vers début instruction. Donc ici, une autre couleur, il va rajouter un autre nom terminal qu'on va appeler A. Le A, la syntaxe, il va donner epsilon parce qu'il va rajouter rien la syntaxe. Mais ce A, le code source Théo, et on va l'écrire, le code source Théo, comme si ici, le A, ce A-là, je trouve bizarre qu'il te voit entre accolades ou te voit. Bdi tous les routines sémantiques, bizarre. Pour Mohamed qui était en train de parler de quand. Je bise, même de toucher les routines sémantiques. Vous avez l'habitude de faire printf programme correct. Oui. J'ai pas bien entendu. Ah oui. Donc voilà. Donc par exemple, je teste est-ce que c'est pas un zéro ou là. Donc, c'est ça le code de la routine. Donc, malgré elle donne epsilon la syntaxe, mais je vais mettre ici un code correspond. À chaque fois que le A va se produire, il va exécuter ce code. Et donc, ce code, ça va être quoi? Ça va être, qui m'a fait le générer ce quadruplé. BR vers début expression. OK, donc la syntaxe, il va être un 0, mais il aura un code. Après. Donc, virgule, oui. Donc, pardon. OK. Oui. Le A, oui. Donc, le A, c'est pour qu'il nous génère ce quadruplé. BR début expression. Parce que instruction 1, elle va être générée par le mot-clé, les quadruplés instruction 1. C'est plutôt le nom terminal instruction. Où elle va générer les instructions, plutôt où il va générer, pardon, là, vous la phrase parce que n'y a pas de donc, le nom terminal instruction, c'est lui qui va générer les quadruplés des instructions 1. Mais qui va générer BR vers début expression? Je dois avoir un nom terminal qui va me générer ceci. Donc, je rajoute un A. Le A, la syntaxe, pardon, il va rajouter rien. Donc, il va rajouter epsilon. Mais la sémantique, il va rajouter ce quadruplé. Voilà, pour rajouter le branchement. Okay, de rien. Maintenant, après instruction 1, aussi, je dois avoir un branchement. OK, et donc je dois rajouter un B. La même chose. Donc je dois rajouter ici un B. Ici, je dois rajouter un B pour avoir le branchement après instruction 1. Et toujours le B, la syntaxe, il doit avoir un epsilon. Mais la sémantique, je vais écrire le code qu'il doit avoir. Donc, après instruction 1, j'aurai instruction 2. Ah oui. La syntaxe, j'aurai l'instruction 2. Et après instruction 2, tenez, je dois avoir un autre nom terminal qui doit me générer
qui doit me générer ce branchement. Donc, je dois avoir un C. Et puis, je vais avoir la parenthèse. Je vais avoir expression. Et puis, je dois avoir ces deux branchements. Et comme je n'ai pas un nom terminal qui va les générer, je dois rajouter aussi une routine. Une routine D qui, bien sûr, C, il génère epsilon, fla syntaxe. Et D aussi, fla syntaxe, il génère epsilon. Mais fla sémantique, il va générer ces deux branchements. Voilà. Donc, comme créateur de compilateur, on va donner ça à notre compilateur. On va lui donner cette grammaire-là. Oui. Instruction 2. Voilà, Alexei. Qablaha. Qablaha, c'est Hada. Branchement vers fin, Alexei. Qablaha ou B. Oui. Parce que le virgule, c'est manège des quadruplés. Donc, le B, soit tu là, après la virgule ou la ba'da, c'est la même chose. Ok, derrière. Est-ce que c'est clair, Burke? Had les trois parties. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a des questions. Non. Alors, pardon. Donc, maintenant, on doit donner le code des routines. Le code des routines, ça veut dire quoi? On va écrire comment ils vont générer les branchements. Donc, juste pour qu'on comprend, je vais, pardon. Donc, je vais prendre ça. Je vais le copier. J'aurais aimé ma cache là-dedans, mais allez, et j'aime pas trop. Donc, je vais le mettre ici. Et puis, le but de routine, c'est de construire les branchements. Donc, maintenant. Par exemple, violet. Ça, c'est la routine A qui va le faire. Ça, c'est la routine A. Ça, c'est la routine B. Ça, c'est la routine C. Et ça, c'est la routine D. Et on doit écrire ça. Donc, au début, la table ou la simultanée, je copie la grammaire, comme ça vous allez bien comprendre vraiment comment les choses se produisent. Parce qu'une fois femme que wahda bien, c'est bon. Le reste, ça va être juste après des techniques ou là. Mais le principe, tu nous femme. Donc, juste, je vais. Sinon, je prends tout ça. Voilà. Je vais le mettre ici aussi. Ok. Alors, fait début, regardez. J'aurai quoi fait début? J'aurai une matrice du quadruplé fait début vide. Elle est vide. Ça, c'est la matrice. Donc, vous l'avez appelée fait le cours la matrice quad. Donc, c'est une matrice de quatre colonnes, bien sûr. Je vais pas dessiner les colonnes. Et alors, un compteur qui s'appelle QC. À chaque fois que j'insère, le QC va avancer. Ok, c'est un compteur de ligne. Maintenant, au début, elle est vide. Donc, il a select, select ma fiche des quadruplés. Après, il va trouver le A. Il va trouver le A, fait de la grammaire. Donc, cette grammaire, elle doit remplir cette matrice d'une façon que j'aurai à la fin sans. Ah, d'ailleurs, écrit tout à la main. Comment elle va le faire? Comment les routines vont m'aider à remplir cette matrice? Donc, au début, je trouve le A. Voilà, je trouve le A. Donc, le code de A, ça va être quoi? Le A, c'est une fonction. Elle doit avoir quoi? Donc, je vais lui dire, dans la matrice quad, dans l'indice QC, donc faites le premier, vous faites quoi?
Vous devez insérer le quadruplé suivant. Donc, le quadruplé BR, virgule. Est-ce que à ce moment-là, qu'il a fait A, il a fait l'expression où il en a ré. Mais alors, je m'abalouche, je m'en ai. Peut-être qu'il y a instruction, elle va prendre 100 quadruplés, peut-être elle va prendre 1 milliard. Donc, il ne sait pas, mais dans la expression. Donc, il va insérer juste BR et le deuxième, il va le laisser vide. Vide, vide. Parce que les autres, je ne vais pas les remplir, mais Hadel, normalement, je le remplis. Je le laisse vide. Donc, je vais dire BR. Le deuxième, je le laisse vide. On commence. Mais, Anna, had le deuxième, je dois le remplir à un certain moment. Lorsque j'arrive à expression, je le remplis. Et le que c'est, je l'ai fait avancer. Parce qu'après, je vais faire quoi? Que c'est, je vais lui faire plus plus. Pour que la prochaine fois, je remplis. Je vais perdre la position. Anna, had. Donc, je vais faire quoi? Je vais le marquer. Had le quadruplé, je vais sauvegarder. Donc, je vais, par exemple, le sauvegarder qui m'a atteint dans les étiquettes. Donc, je vais juste utiliser le même nom. Donc, je vais début expression égale que c'est. OK. Après, dans début expression, je dois mettre le début d'expression. Donc, ça veut dire quoi? Donc, aide le que c'est. Je vais le faire avancer. Mais le quadruplé, je vais le marquer. Donc celui-là, je vais le marquer. Je vais le marquer par début expression. Je ne fais pas début expression. Le que c'est, non. OK. Puis, après, j'ai instruction. J'ai instruction, le mot-clé instruction. Et le mot-clé instruction, il va faire quoi? Il va insérer les quadruplés de instruction. Ça dépend. C'est un autre nom terminal qui aura sa grammaire. La grammaire théo, ça dépend de la grammaire théo. Elle va insérer les quadruplés de instruction. Normalement. Bien sûr, Firon bzaf, monsieur Wahed. À chaque fois que j'insère, je vais déplacer le que c'est, je déplace, je déplace, je déplace. C'est une belle instruction. OK. Maintenant, par قبل ما نكمل البي. Regardez هنايا. Une fois درت BR début expression et j'ai expression, mais qu'il y a ici une étiquette qui est début expression qui veut dire que il y a un autre quadruplé qui aura besoin de cette adresse. Quelle adresse? L'adresse de début expression. Cette adresse-là, ta début expression. Et cette adresse, je la connais à quel moment? Une fois que mettre le BR, les rachis du Mouraha, sûrement c'est le début expression. Donc je la sauvegarde aussi. Je dois la sauvegarder parce qu'à un certain moment, j'aurai besoin de ça. Donc, je vais la mentionner. Donc début instruction, une, j'aurai besoin de ça et donc je dois le sauvegarder. Donc début instruction, une égale que c'est. Les avancées de fait. Et bien sûr, je ne fais pas que C++ parce que je ne veux pas laisser un quadruplé vide. Donc, en avance, je n'ai que C++ parce que j'ai écrit quelque chose. Non, je suis en train juste de sauvegarder le quadruplé. J'ai instruction après pour écrire dedans. Donc, il a créé ce quadruplé. Il a sauvegardé le numéro de ce quadruplé parce que Nando une colonne vide qu'il doit remplir après. Une fois il a avancé, il a dit que l'instruction et donc je dois sauvegarder ça. C'est instruction une. Mais je ne sais pas dans donc après, lorsque vous lisez, donc ça, c'est quoi? C'est début expression et ça c'est début instruction une. Voilà, donc il blé c'est le début de l'instruction une et donc je dois le sauvegarder. Après jet instruction elle va remplir les quadruplés de l'instruction. Après la routine B,
La routine B, son rôle, c'est quoi? C'est de créer BR, fin. Donc, le but, c'est que le que si ici. Parce que instruction, à chaque fois, elle incrémente, et à la fin, elle va le laisser sur une ligne vide. Donc, directement, dans quad que si, elle va mettre BR et la même chose. Est-ce que à ce moment-là, je connais où est la fin? Non. Donc, je laisse le deuxième, je le laisse vide. Donc, je le laisse vide. Et puisque je l'ai laissé vide, donc je dois le sauvegarder. Donc, je vais mettre fin égale le que c'est actuel. Parce qu'après, là, nous les. Et puis, je vais avancer. Et lorsque j'avance, j'essaie de voir est-ce que j'aurai besoin de l'adresse, les avancées de fer. Une fois j'avance, oui. Une fois j'avance, j'aurai besoin de cette adresse, qui est l'adresse de début d'instruction 2. Donc je la sauvegarde. La même chose. Kemal. Donc, début instruction 2 égale le que c'est actuel. Donc j'avance. Hnaya. Donc le que c'est rahmenna. Et où les hnaya, c'est le début d'instruction 2. Alors, après, j'ai l'instruction 2 et l'instruction 2, elle va créer les quadruplés ta instruction 2. C'est plusieurs quadruplés. Ça dépend, l'instruction, c'est quoi. OK. Donc, ça, c'est le C. Après, j'ai le D. Ah, plutôt le C, plutôt, pardon, avec le B. Le C, donc, instruction 2, après, j'ai le C. Donc, le C, c'est quoi? Le C. Oui, le C, B, oui, voilà, le C est dit après instruction 2. Donc, c'est celui-là. Donc, celui-là, il doit toujours insérer BR fin aussi. Donc, quad. Que si. Je vais insérer BR. La fin, je ne la connais pas encore. Donc, je dois mentionner ici, je vais laisser ici des vides. Et la même chose, je dois mentionner fin égale que si. Maintenant, qu'il y a une petite erreur, juste je vais la laisser et puis on va la corriger. Donc, je vais faire que si plus plus. Et puis, une fois j'avance, une fois, donc, j'insère BR, je laisse vide, vide. Puis, une fois j'avance, je suis sur le début de expression. Je sais que je suis sur le début de expression. Et donc, si je suis sur le début de expression, est-ce qu'il y a des quadruplés qui ont été en train d'attendre le début de expression? Oui, quand il y a un quadruplé, il faut que j'arrive à expression. Et donc, je dois faire quoi? Ici, je dois mettre à jour cette case, la case, et maintenant, je dois la mettre à jour. Comment la mettre à jour? C'est dans la matrice quad, dont le numéro de quadruplé début expression. Où est le quadruplé? Où est le début expression? Celui-là. Dans la colonne 2. Dans la colonne 2. Dans cette colonne-là. Je dois mettre quoi? Je dois mettre le que c'est actuel. Parce qu'une fois que je suis ici, c'est ça début expression. Donc, c'est ici début expression. Et donc, je vais mettre à jour ce quadruplé. On va faire l'adresse de le quadruplé. OK. Et puis, maintenant, la routine D. Je sais pas. C'est pas sur une seule ligne. Oui. Deux. Pourquoi deux? Deux, parce que headline, elle s'appelle début expression. Mais ça, c'est la colonne 1, ça, c'est la colonne 2, ça, c'est la colonne 3, et ça, c'est la colonne 4. Alors, je dois mettre que c'est où? Est-ce que, c'est une case, pardon, c'est une case, c'est une case, c'est une case. Je dois le mettre ici. Head la case, où
Début expression avec 2. C'est une matrice. Je dois mentionner la ligne. La ligne et je dois mentionner la colonne. Une matrice. Pour accéder, il faut que la ligne et la colonne pour accéder à une case. Alors, je dois mettre ici la valeur. Non. Normalement, je n'écris pas BR vers début expression. Je dois écrire ça. Oui, je n'écris pas. N'écris pas fait la ligne. Fait la ligne. Fait la ligne. Où est-ce que début expression. On l'a appelé comme ça. باش نشفاو باللي اي دون كيل كولون لا كولون 2 اوكي ماتنو بور لو دي لو دي اي دو انسيري سي دو كوادريبلي هاد الزوج دونك بور لي انسيري دو فير كو كواد كو سي ايغال بين زد. Et puis, début instruction 1. Est-ce que début instruction 1, je le connais? Idaranif D. Est-ce que je connais début instruction 1? Oui, parce que j'ai passé. Khalas, kammeltha kollech. Donc, je le connais. Mais je le connais kifesh. Il est sauvegardé. Hawlik. Début instruction 1. Il est sauvegardé dans une étiquette qui s'appelle début instruction 2. Donc, BNZ. Bien Z, début instruction 1. Et je teste bien sûr le temporaire expression. Puis je vais faire que c'est plus plus. Ok. Je vais continuer une place sans problème. Donc je vais quad. Quad que c'est, je rajoute un le deuxième, les quoi BR vers quoi? Vers début instruction 2. Je la connais aussi. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé ici. Et je fais que c'est plus plus. La même chose. Une fois je fais que c'est plus plus, je suis où? Je suis à la fin. Est-ce qu'il y a des étiquettes qui sont en train d'attendre la fin? Oui. Les romans, hadi. Je dois mettre à jour ça et ça. Had les deux. Et donc, pour les mettre à jour, je dois mettre quad. Normalement, regardez. Je vais mettre fin de égal que c. Je vais l'erreur. Je vais corriger. Donc, là, moi, je mets quad fin égal 2. Mais fin ici, elle contient qu'à l'adresse. Elle contient la dernière adresse où j'ai sauvegardé C. Donc elle contient celle-là. Hadi. Plutôt l'adresse de ça. L'adresse de ça. Elle contient l'adresse de ceci. L'adresse de Hadi, je l'ai écrasée. Parce que regardez, c'est la même variable. On est en égal que C lorsque j'étais ici. Qu'il s'est mis fin. Et puis qu'il s'est mis là, Hadi s'est mis à fin. Donc fin, elle va avoir l'adresse de quelle. Quel quadruplé? De le dernier, je l'ai écrasé. C'est pour ça qu'il y a une erreur ici. Je dois nommer ça fin 1 et fin 2. Aka, c'est deux étiquettes différentes qui sont en train d'attendre. Donc, on se met à fin 1. Donc, fin 1, la colonne 2, HATQC, et quad. Quad. Fin 2, la colonne 2, aussi que si. Voilà. Comme ça, on a écrit les quatre routines. Donc, la première routine, c'est la première chose qui va arriver. Donc, elle va faire quoi? Elle doit insérer BR. Et puis, elle n'a pas cette adresse encore. Donc, elle va la laisser vide. Et puis, elle va mentionner BRK. L'adresse AD, qu'elle va la sauvegarder. Et puis, elle va avancer. Une fois elle va avancer, elle va trouver quoi? Elle va trouver le début de l'instruction 1. Et donc, aussi, elle doit le sauvegarder. Parce que, quelque part après, j'aurai besoin de cette information. Et puis, elle termine. Après, Mouraha, Rahdje,
Instruction 1, instruction 1, elle va faire quoi? Elle va insérer les quadruplets d'instruction 1. Une fois terminée, il y aura la routine B. La routine B, elle va faire quoi? Elle va insérer BR. Elle ne connaît pas encore la fin, elle va la laisser vide. Et puisqu'elle a laissé une colonne vide, elle doit sauvegarder le numéro de ce quadruplet. Donc, fin 1. Et puis, elle va avancer. Une fois avancée, elle va trouver le début de l'instruction 2 et donc elle doit le sauvegarder parce que après j'aurai besoin de cette information. Donc elle doit le sauvegarder. Puis après le B, je vais trouver l'instruction 2. Donc l'instruction 2, elle va insérer les quadruplets d'instruction 2. Et puis je trouve la routine C. La routine C, la même chose. Elle doit insérer BR, elle laisse la colonne numéro 2 vide et puis elle sauvegarde ce quadruplet, puisqu'elle a laissé quelque chose de vide, elle avance. Une fois elle avance, elle trouve le début de l'expression. Puisqu'elle a trouvé le début de l'expression et cette adresse, elle a été attendue par d'autres routines, donc elle va mettre à jour le numéro de colonne qui était besoin de cette adresse. Je connais Hua Hadaya. Shkunhada, c'est le quadruplet qui se trouve à l'adresse début expression, parce qu'on l'a appelé début expression, Hawlik, à la colonne 2. Donc, début expression à la colonne 2, je vais mettre l'adresse que c'est, qui est l'adresse de début expression. Puis, j'ai expression, donc expression, elle va insérer les quadruplets de expression. Et puis, j'ai la routine D. La routine D, elle va faire quoi? Elle doit insérer ces deux quadruplets. Ces deux quadruplets, c'est quoi? C'est BNZ. Début instruction 1, j'ai déjà l'adresse parce que je l'ai sauvegardée, la routine A, et je mets le temporel. Puis j'avance et je dois insérer le deuxième quadruplet qui est BR. Début instruction 2, que j'ai sauvegardée, la routine B. J'avance. Une fois que j'avance, je suis sur la fin. La fin aussi, c'est une étiquette. C'est une adresse qui était attendue par d'autres routines, les HTML B ou C. Donc, on colle fin 1, la colonne 2, qui veut dire ça, la fin 1, la colonne 2, vous mettez l'adresse de la fin, qui est que C, et fin 2, qui est celle-là, vous mettez l'adresse de la fin, qui est que C. Et je m'arrête. Donc, comme ça, j'ai donné pour mon compilateur, les différents codes nécessaires. Je vais voir s'il y a des questions écrites. Alors, des questions? Fait le cours quelques exemples. C'est pas le premier exemple. Ok, très bien. Ok, donc. Je ne sais pas si vous n'avez pas de questions. Oui? Oui? Ah, ok. Vous devez pas. Laisse-moi des erreurs. Un étudiant, déjà, il m'a caché des erreurs sur le flex, mais après, j'ai essayé de faire des erreurs. Donc, il ne faut pas qu'on ait les erreurs sur les trois cas. Il faut qu'on soit dépendant. Bon, bref. Si il fait un blocage, je n'ai pas les erreurs après. Donc, flex, il va faire quoi, flex? Avec le code TAC, flex. Flex, il va analyser juste le code. Par exemple, peut-être 7 points virgule, il colle 7 points virgule. Il accepte par exemple derrière une expression
une expression et puis return. Ok, return quelque chose. Il y a quelque chose là, point virgule. Peut-être. Peut-être, hein, peut-être, mais il y a quelque chose flex. Malgré que il y a un point virgule chassant. Khatch flex, il va faire quoi? Il va traduire ça en langue assez. Il va le traduire. Il va faire une traduction. Donc, il y a un autre fichier, mais que tu peux c'est. La même chose pour bison. Je pense que c'est point virgule, mais il y a même pas. La même chose. Bison, il y a des flex ou il y a des bisons. Il va faire une traduction tannée langue assez. Après, il dit le JCC. Il va faire quoi, JCC? Il va compiler ces deux fichiers-là. Il déclame la traduction. Ok. Je pense, point virgule, moi, je suis détecté FLS. Moi, je suis plus une erreur. Malgré qu'il y a une erreur, mon site n'est pas point virgule ici. Moi, je suis parce que après JCC, le point virgule, qui est la traduction, il y a un reader, par exemple, quelque chose, EDF, ou il y a un point virgule. Il y a une erreur. Il y a une erreur qui est flex. Ou JCC, il y a une erreur. Parce que JCC, il y a le compilateur de C, il y a une erreur qui est une erreur sur ce fichier-là. Donc, c'est dépendant. C'est pour ça que je trouve mais on dit des erreurs flex, mais je trouve les erreurs que j'ai ici. Non, tu as les erreurs dans ton flex. Donc, c'est pour ça que je trouve ma cache erreur flex, ma cache erreur bison, mais qu'il y a une erreur j'ai ici. C'est dépendant. Parce qu'en fin de compte, flex, il va juste traduire ton code en C. Qu'il y a des erreurs qu'il peut détecter ou pas. Qu'il y a des erreurs, non. Aslan, son but, ce n'est pas de détecter les erreurs. Son but, c'est de traduire. Abira, il ne détecte pas des erreurs, malgré qu'elles sont là. Peut-être qu'on a beaucoup d'erreurs. Ou peut-être qu'il détecte non, les erreurs, l'expression régulière. Et donc, il y a des expressions qui se répètent ou là. Mais il ne détecte pas beaucoup d'erreurs. Et aussi, des fois, des erreurs, il dit qu'il y a une erreur, mais il dit ni à quelle ligne, ni c'est quoi l'erreur. Il y a des fois, il dit comme error inside an action. Inside an action, ça veut dire une erreur à l'intérieur d'une action. Mais quelle action? Il te dépend. Mais balouche, il y a une erreur lors de la traduction. Il dit que c'est logique, donc, mais il ne sait pas. Parce que son but, c'est de traduire. Ce n'est pas vraiment un compilateur. C'est un traducteur, c'est pour ça. C'est pour ça que vous devez toujours, madame, je crois les étudiants, ne pas écrire le tout à la fois. Vous écrivez 2-3 instructions maximum flex, 2-3 instructions tahom bison, vous compilez avec le JCC, lazmen had la partie tkoun valide, had la partie tkoun valide, had la partie tkoun valide et le test aussi. Vous testez votre programme. Alors, un exemple et qu'on valide pour que vous dites ma cache erreur. Et puis vous rajoutez, dites deux autres ici, vous compilez, vous testez, ça marche. Ma cache erreur. On commence. Une fois j'ai fait quelque chose ici, ou c'est déjà là par exemple, même à ça, il reste quelque chose là. Testé, خرجت erreur ici, je m'arrête. Où est l'erreur? Alors il faut la dernière chose, c'est ça. La dernière chose. Pourquoi? Parce que flex, même le cas erreur, mais il dit peut-être que tu as une erreur, mais tu as accepté autre chose. Il dit que tu as la dernière ligne. Mais il ne sait pas ce que son but c'est de traduire. Ou le JCC, il dit que l'erreur est à la ligne, je ne sais pas, 1200, et quelques. Mais tu ne peux pas savoir, ce n'est pas toi qui as écrit la traduction. Même s'il te dit l'erreur est à la ligne 1200, je ne sais pas où il y a le fichier. Donc tu ne peux pas détecter l'erreur. Mais si vous faites cette procédure, vous rajoutez bchouïa, vous testez. C'est simple de détecter l'erreur parce que déjà vous savez oui, non. La dernière chose que j'ai rajoutée. Et donc, là où tu n'as pas de la liste, on ne peut pas faire. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à votre question. Bison, il faut le corner, ou là. Voilà,
Bon, en général, les warnings, c'est welcome. Attendez, les warnings shift reduce and ولا شيفت شيفت وات وش قال لك اه سا فو دير كوا وي سا فو دير كو لا طابل خاطر هو يل فا يوتيليزي لا طابل على الاغ سا فو دير بلي لور دو لاناليز دو لا طابل تاعو لقى بلي بوغ ان ايتام كالكو بار ان ايتام اكس الى تروفي با اكزومبل بوغ بوغ سي با لو تيرمينال ا ولا بوغ لي تيرمينال اي دي اف Il a trouvé ici, il a parlé de shift radio, ça veut dire qu'il a trouvé décalage vers l'item E4 et une autre règle de réduction. Reduce, reduce c'est réduction, shift ça veut dire décalage vers un item, par exemple Z, une réduction Z. Qui veut dire que la grammaire que vous avez écrite, elle n'est pas à l'air ou elle n'est pas à l'air. Ou elle utilise à l'air, mais bon, kif kif, je t'oublie à l'air et à l'air, kif kif, c'est juste une table minimisée. Donc, c'est ça. Qui veut dire que votre grammaire fait une ambiguïté. Ça veut dire deux règles qui veut dire la même chose. Bon, il y a... Ça pose pas de problème parce qu'on va pas arriver à la génération des quadruplés et tout. Mais Lucan pour l'AMLJ... Parce que c'est très important de faire votre compilateur bien cette année. Parce que l'AMJA est le même. Et si vous ne vous avancez pas bien, l'AMJA est des difficultés. La première année master, c'est l'année la plus difficile pour le cursus TACOM. Vous aurez beaucoup de modules, beaucoup de TP, beaucoup de choses. Donc les TP, les traders déjà traités cette année, c'est bien. راح تعاودوا اناليز ليكسيكال سانتاكسيك سيمونتيك وتكملوا دونك هادو هما البروف راح يدوز عليهم فريمون تري رابيد دونك انت اذا ديجا ما تفهمهمش ما خدمتش تيبي تاعك بيان راح تحصل ديجا هنا ا جو بونس لي ماستر اي ال اس 2 اي والله ما باليش كون ماستر كاين انا اوتر ماستر اوسي يقرا وكومبيل لا بلو بار دو فو راح يروحوا لهاد لي دو ماستر ان شاء الله عبالي ان نوت والله ما بالي شكون نسيت لي جا لي ماستر كي كاين دوتر كيسيون وي Celle-là. Oui, oui, ok. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, je vois que le temps de la séance classe, donc on va s'arrêter maintenant. Oui. Oui. À l'intérieur. Oui, on peut. Très rapidement. Mais je ne sais pas ce que tu as le monsieur, mais je me dis. Très rapidement. Sinon, pour le monsieur, tu as la vidéo. Donc, je vais essayer de ne pas tarder vraiment. Je mets les vidéos. Ok. Donc, Atlé, est-ce que je peux savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà, à quel moment je dois essayer de savoir? Donc, par exemple, vous avez fait votre chaîne de caractères, string, qui est, par exemple, de côte. Bon, on a fait comme l'expression. N'importe quoi, sauf les côtes et deux côtes. C'est l'expression. Après, vous êtes dans flex. Vous faites, lorsque je rencontre string, dire... Normalement, vous allez faire return string. Tia, à quel moment qui habba t'arfi ce qu'il y a dedans? Flexical ou syntaxique? Ok. Donc, pour savoir syntaxique,
Vous devez la mettre dans Y, Y, elle vole. Qu'est-ce que Y, Y, elle vole? Ouais. Donc, on va faire union. Et vous définissez vos types. Donc, sûrement, vous aurez char, étoile dans STR. Donc, il a qui fait ma tradition de paiement facilement. Donc, on a Y, Y, elle vole STR. Mais je vais dire égal parce que je dois mettre les chaînes de caractères. Je ne peux pas mettre égal. Donc, j'utilise STRDEP pour le STR copé. Et je donne le Y, Y texte. Y, Y texte, il contient le texte qui m'a permis de rentrer faire le bloc. Donc, j'ai retourné vers le lexical, le code tel string. Et puis, ici, par exemple, je sais pas, quelle grammaire, je peux savoir. Je sais pas. Peut-être on va mettre juste quelque chose de simple. Par exemple, affectation, instruction affectation, qui va être IDF, affectation string. Ici, donc on a le code TAO associé. Donc vous pouvez adresser d'être bien sûr les tokens string. Vous devez mettre str pour dire que vous avez un type parce que je lui ai envoyé le type. Et puis ici, vous pouvez adresser dollar 1, adresser dollar 2, adresser dollar 3. Vous pouvez accéder le contenu de string dollar 3. Vous faites ce que vous voulez. Oui, tout ce que vous avez envoyé ici. Vous devez créer une fonction ici. Vous créez une fonction qui va traiter la chaîne et vous la traitez comme vous voulez. Par exemple, le deuxième mot. Par exemple, on a un D, une chaîne, l'IA, bonjour, bonjour, Akkad. Akkad. Akkad, je laisse un espace B. D'accord. Où il va récupérer tout ça, les côtés inclus, hein, le tout. Donc, par exemple, le deuxième. Donc, vous allez faire pour le deuxième mot. Comment savoir que ça, c'est le deuxième mot? Ça veut dire que c'est un espace, les KN. Deuxième. Ouais. Oui, donc vous faites une fonction, les faire une boucle, par exemple. Oui, bien sûr. Ou là, vous écrivez là, le code de la fonction ici, mais c'est mieux d'appeler une fonction. Hein. Une fonction, par exemple, Zgilha, récupérer deuxième mot. Et vous lui donnez $3 en paramètre. Elle vous récupère le deuxième mot, donc elle va le mettre quelque part. Donc, maintenant, chaque fois, D2 égale, ou la str copé normalement, ou la str dep de ça. Attends, si je veux faire l'égalité entre deux chaînes de caractères, soit j'utilise str copé pour copier la deuxième chaîne dans la première, soit j'utilise str dep pour je m'y copie le pointeur. Parce que si je n'utilise pas startup, je vais copier le pointeur de la chaîne de caractères. C'est pas la valeur de. Et puis, dans la fonction récupérer deuxième mot, bien sûr, c'est un paramètre de. Je sais pas, par exemple, phrase. Les rois dollar 3, phrase, c'est quoi? C'est un char. C'est un tableau de caractères. Et à l'intérieur, je traite pour récupérer le mot. Je ne sais pas. Mot de tani, je le déclare. Char, par exemple, fait 20 caractères. Qui peut se récupérer? Par exemple, je fais un for et puis lorsque je trouve le deuxième. Je prends entre le deuxième, donc char, while mot, donc i égale 0, et puis mode, non, while,
Oui, bon, c'est simple. C'est while, le caractère est, c'est pas un blanc, je boucle. Et puis, je commence à récupérer. Après, je fais une autre. Une fois, je trouve le deuxième blanc, je m'arrête. Comme ça. OK. Oui. Fa? Ah, OK. Alors, Mohamed Khaitar, madame sémantique TD. Par exemple, maintenant, dérivation des trois instructions opérant, opérateur opérant. Kinder dollar 3 égale 0. C'est quoi Jinblick? Variable. Dollar 3. Oui. Donc, ici, vous devez récupérer la valeur autre emplacement. Pour ça, je ne sais pas, j'ai fait un TP avec. C'est beaucoup de travail fait à jouer. Hein. J'ai fait un TP avec Isil A. Comme ça, le code Rao, le drive. Donc, c'est pas, je vais vous donner le drive. Je vais vous donner le drive. Essayez de lire ça. Et puis, sinon, vous me posez la question. Ramos, Sadawa. Oui. Parce que ça. Obtenir le lien. Donc voilà, vous téléchargez ce code et vous voyez. Ça, c'est pour la division sur zéro qu'on a fait et pour. Parce que madame Ratchelwork, un TP ici, donc je vais essayer de le faire rapidement. Donc, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que, très ranouré, parce que non, mina la hell, Y, point Y. Alors, ça arrive à l'ouvrir. Voilà, tu as opérant. Expression opérateur opérant. Donc, dernière la division sur zéro. Donc, opérant, bien sûr, je ne peux pas le tester parce que c'est un non-terminal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Opérant, c'est un EDF constante. Donc, on a sauvegardé ici lorsque c'est une constante. Et opérateur aussi, je ne peux pas le tester parce que c'est un non-terminal. Donc, on a fait quoi? Lorsque c'est un opérateur, ici, l'opérateur, le non-terminal, on a sauvegardé c'est quoi l'opérateur. Et puis ici, on teste juste est-ce que ce qu'on a sauvegardé, c'est une division, et ce qu'on a sauvegardé sur la constante, c'est un zéro, dans ce cas, c'est une division sur zéro. Donc, lorsque ça, c'est des non-terminaux qui ont des valeurs d'autres règles, on doit sauvegarder lorsqu'on passe par le non-terminal la valeur. Pour qu'on puisse l'utiliser ici. C'est ça l'idée. Oui. Je pense non. J'en ai pas tout traité, bien sûr. Sinon, on a traité ça, TP, mais la Isilbé, vous trouvez la vidéo de Isilbé. On a traité le cas d'une constante. Ici, je n'ai pas le code parce que c'était le code d'une étudiante. Donc, une constante, double affectation d'une valeur à une constante. Vous le trouvez sur la vidéo de Isilbé, si vous, ça vous intéresse. Rien.
Bon, pour les questions, il y a des étudiants qui sont en train de m'envoyer des emails. Ils répondent sur quelques-uns. J'arrive pas à répondre à tout le monde. Là, bon, peut-être après. Ça n'est des retours de rôle. À chaque fois, je réponds à deux, trois personnes. Ok, sinon, là, j'essaie de répondre. Ok, donc on va. Me smash bien? Oui, mais le roi est à l'ouakel, non? Ah, ok. Donc voilà, je pense qu'il y a trois masters qui ont un IL, qui ont compris. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. J'espère que vous avez compris le TID surtout. Ok, maintenant, ok, c'est comme ça. À la fin.